Il se passe tellement plein de choses dans le remue-ménage de la machine à penser, cette effervescence qui se joue là en toi, que si tu ne prends pas conscience de ça, si tu ne fais rien pour ça, alors ça va t'envahir. Et ce rien que tu dois faire est très important. Parce que justement, tu es toujours occupé à écouter ces pensées, à divaguer avec eux, à rêver, à faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même parce que tu es poussé par ton impulsion, par tes réactions. Et tant que tu n'as pas vu ce que tu es là, c'est cette boule de nerfs, d'effervescence qui ne cesse jamais, ce phénomène de hamster qui tourne là, jamais qui s'arrête. Tant que tu ne vois pas ça, alors tu vas juste faire semblant que autre chose est nécessaire. Et cette autre chose, c'est tout le système de la pensée qui va le mettre en place pour toi. Et ce sera encore une impression de paix, mais c'est le remue-ménage qui continue de plus belle. Parce que tu es envahi par toute une horde de pensées qui te subjuguent à aller chercher quelque chose pour te calmer, pour trouver un havre de paix, pour trouver quelque chose qui soit en accord avec ce que tu aspires au plus profond. C'est cette pensée qui te dirige. Et cette pensée, c'est un substitut de toi-même. Et tu te laisses guider par toute cette effervescence à laquelle tu t'es identifié. Tu t'es identifié à ça, à tout ce remue-ménage là. Tout le temps tu veux, tu cours, tu demandes, tu es ambitieux, tu attends, tu désires, tu veux plus, tu aimes aujourd'hui, demain tu aimes plus. Toutes ces choses qui envahissent la psyché humaine. C'est un carcan, c'est une confusion, c'est le chaos en soi. L'harmonie se trouve en dehors de tout ça. Mais là, il est question de se calmer. Il est question de voir ce qui se passe pour pouvoir faire en sorte que tu puisses te délivrer de toute cette cohue. Parce que si tu la vois pas, elle va juste te passer sous le nez comme si c'était normal. Et nous croyons que c'est normal. Tout ce que nous faisons, nous courons, 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 courons. Nous avons envie d'atteindre, atteindre. Nous avons envie de réussir, réussir. Et ça continue, ça cesse jamais. Et jamais tu es satisfait. Donc toute cette activité-là, c'est ça qui fait que le monde est en dessus-dessous. Qu'il y a la confusion, qu'il y a du chaos dans le monde, des guerres, des gens qui ne s'entendent pas. Parce que tout le monde cherche son propre intérêt. Tout le monde regarde midi à sa porte. Il n'y a pas de paix. Et donc cette effervescence qui se passe en toi, ben, tu alimentes le monde avec ça. C'est tout ce que tu vois dans le monde, c'est ce qui se passe là. Toute cette excitation pour quelque chose de mieux, et avec lequel tu donnes de l'importance à demain. Toute cette excitation. Tu te demandes des fois, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi suis-je si stressé? Pourquoi je cours? Pourquoi je ne peux pas avoir la paix?
Donc, toutes ces choses qui se passent et qui est compulsif. Tu t'es enrôlé dedans parce que tu t'es identifié à tout ça. Doit être vu. Si tu mets un peu le frein, tu ralentis un peu, tu regardes qu'est-ce que tu fais. Prends conscience de ce que tu fais. Prends conscience de ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu penses. Dans quel traquenard tu es. Prends conscience de tout ça. Comment tu parles, comment tu réagis. C'est une conscience que tu peux avoir si tu portes attention là-dessus. Et porter attention là-dessus, ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes pour voir. Parce que l'attention, c'est ça, faire attention. Il y a une action qui se joue là, on fait attention, donc on regarde, on prend note, on prend les choses au sérieux. On se voit en train de faire des choses qui nous embarque. Et quand tu le vois, tu deviens une autre nature de toi-même, ce réveil-là. Parce que déjà, il y a l'attention qui crée un calme. Et ce calme, dans ce calme, il y a une vision de ce qui se joue. Parce que pour voir ce qui se joue, il ne faut pas que tu sois entraîné avec des choses que tu es occupé avec. Tu peux bien comprendre ça. On est tout le temps occupé. Occupé à réussir, à gagner, à devenir ce qu'on n'est pas. Faut que tu ailles voir ce mouvement qui est là. Comment tu causes avec le mendiant, comment tu causes avec ton patron. Comment tu causes avec la personne qui n'a pas réussi et la personne qui a réussi? Comment tu étais intéressé avec la Miss et celle qui n'a pas reçu le concours pour être comme la Miss? Comment tu parles avec ces gens-là? Comment tu réagis? Il y a une réaction qui se fait. Et là, je te dis, fais attention aux réactions que tu as. Fais attention à comment tu interprètes les choses, comment tu arrives devant les situations et quel est ton état. Comment tu réagis à la situation. Est-ce que par compulsion, tu te dis, je veux être bien, donc je vais tout faire pour plaire. Ou tu acceptes de rester là, sans rien vouloir, et t'accorder un instant pour faire attention à tout ce qui se joue. C'est-à-dire ton être a besoin de cet instant pour sonder la situation, pour ne pas faire les choses brusquement. Parce que quand tu es dans la réaction, tout de suite tu réagis et bien souvent, il n'y a pas de sagesse. Tu t'embarques et après tu regrettes. Tu ne fais jamais l'action juste quand c'est fait spontanément dans l'action compulsive. Cette action compulsive ne peut être que l'histoire que tu penses qui devrait exister. Donc tu es embarqué par tes pensées. Ta pensée t'a emmené là où tu n'as pas envie d'être. Tu n'as pas demandé ça. C'est compulsif. Tu le fais parce que c'est un mouvement qui t'a emporté. Mais si tu réfléchis, tu vois les choses avec beaucoup plus de finesse, d'intelligence. Et tu cherches à avoir l'action juste. Un sage regarde le danger avant de sauter. Et quand tu vois
le danger, tu ne sautes pas. Tu t'écartes du danger. Parce que tu as vu le danger. Si tu vois dans la situation qui arrive qu'il y a un venin qui va te piquer, tu vas t'en écarter. Parce que c'est ça l'intelligence, c'est de ne pas être séduit dans la première apparence de ce qui se joue. Parce que ça, l'apparence te trompe. L'apparence, c'est une illusion. Tout ce que tu peux te donner, te poursuivre pour que ça te donne un bonheur, un plaisir, un réconfort, est une séduction avec laquelle tu t'es embarqué. Et dans cette séduction, tu t'es attaché. Tu t'es attaché à quelque chose qui va faire de toi quelqu'un de dépendant de la situation que tu vis. Et cette dépendance sera ternie par la déception. Parce que l'illusion ne te donnera que la déception. Tu n'auras pas la réalité. Tu verras seulement ce que tu aimerais faire exister. Oh, ce qui existe, c'est juste la superficialité de ce qui se joue. En profondeur, il y a derrière tout ce qui se joue quelque chose de bien plus profond, de bien plus calme, de bien plus heureux, de bien plus juste. Parce que tout ce qui se passe en profondeur est renié. Parce que la profondeur, tu ne la vois pas maintenant. Ce que tu vois, c'est seulement le plaisir que tu vas en retirer de l'action que tu vas prendre maintenant, de la réaction que tu auras. Cette réaction, c'est pour prendre tout de suite quelque chose. C'est comme l'amour par intérêt. C'est prendre quelque chose pour moi, pour que je puisse être satisfait. Donc, toute action compulsive qui demande et qui veut remplir un centre égocentrique qui est assoiffé, insatiable, fait que tu ne vois pas les choses, fait qu'à ce moment-là, il n'y a aucune attention qui est portée sur les choses. L'esprit en remue-ménage et il est embarqué par la machine à penser qui constamment le fait partir sans même qu'il y ait une seule petite réflexion. C'est mécanique, c'est quelque chose qui se joue mécaniquement tout le temps. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie dedans. La vie, c'est l'attention que tu vas mettre et alors cette intelligence sera la vie qui va faire en sorte que ça tourne autrement. Parce que toutes les pensées qui vont t'embarquer, c'est mécanique et là-dedans, il n'y a pas la vie. Il y a juste de l'action vide, vide de la substance primordiale, un lien, un amour, une paix qui a besoin d'être là pour que les choses puissent être harmonieuses. Autrement, nous sommes pour la plupart embarqués par nos propres idées de comment je devrais me sentir. Donc toute ta vie, tu veux quelque chose, tu veux poursuivre quelque chose, prendre quelque chose. Et là, on est en train de dire, arrête-toi. Arrête-toi sur le chemin de ton existence. À un moment dans ta vie, il faut que tu t'arrêtes. Et tu cesses de courir, tu cesses de souffrir. Tu regardes les choses comme elles sont pour pouvoir les comprendre. Non pas dans l'illusion, dans la séduction de ce qui se joue et tu es embarqué. Mais la réalité, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je là?
Quand tu t'arrêtes, tu te demandes cette question. Parce que tout le temps que tu cours, tu as un but. Et ce but, c'est de devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu cesses de courir pour devenir ce que tu n'es pas, alors il y a ce que tu es qui se présente. Et lui, il se présente dans l'attention. C'est ce moment où tu portes attention. Il y a cette étape-là où il y a ce que tu es pour de vrai qui vient en évidence, qui émerge de la situation. Et il porte un regard intelligent dessus. Parce que tu as cessé de croire que tu es autre chose que ce que tu es déjà. Ce que tu es déjà n'a pas besoin d'être trouvé. Dans ta recherche, dans ta quête de nirvana, ta quête de ce que tu crois être, qui sera sublimé. Il n'y a personne qui sera sublimé. Ce que tu es dans ton état là, ce paquet de pensées auquel tu t'es identifié, ne peut pas être sublimé. Ce que tu peux croire, c'est que tu seras sublimé parce que la pensée te fait croire qu'il y a quelque chose à poursuivre. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Rien n'arrivera. Rien ne te sera annoncé qui sera différent de tout ce qui existe là. La réalité, elle est là. Ce n'est pas quelque chose que tu découvres comme quelque chose qui est extraordinaire. Tout est là. Juste ouvre tes yeux. Stop. Arrête-toi. Prends ton temps. Regarde les choses. Fais attention à tout ce qui se joue. Et alors tu vas voir la réalité. Et la réalité, elle est crue. C'est peut-être quand tu es en train de courir que tu cherches quelque chose qui est à ton regard mystérieux. Parce que tu ne comprends pas la réalité. Donc tu crois qu'il y a quelque chose à découvrir. Mais tout est là. Il n'y a rien à découvrir. Tout est là. Accepte de courir. Accepte de ne pas courir. Accepte de t'arrêter. Accepte de faire attention à tout ce qui se joue. Et tu vas voir que tout est là. Il n'y a rien à inventer. Il n'y a pas de vie que tu aimerais faire exister. Il y a juste ce qu'il y a. Et ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Ça veut dire que tu acceptes de t'arrêter, de vouloir ce qui n'existe pas. À ce moment-là, quand tu fais ça, tu n'es plus encombré avec le mouvement de la machine à penser. La machine à penser s'estompe. Tu n'es plus encombré avec ça. Tu n'es plus dans la réaction de ce que la pensée propose. Alors, tu es dans le regard. Et ce regard que tu as à ce moment-là comprend la machine à penser. Il voit tout le système en train de se faire. Et tu es au loin, en train de faire attention à tout ce qu'il y a, tout ce qui se joue. Et c'est dans cette attention que l'intelligence émerge. Cette intelligence, c'est une perception qui émerge quand tu fais attention. Une intelligence qui voit tout sans rien faire pour modifier ce que tu vois. Parce que dès que tu veux faire quelque chose pour modifier ce que tu vois, tu n'es plus attentif. Tu es distrait par ce qui se passe et tu voudrais arranger. Et là, tu ne vois plus. Tu vois seulement ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est arranger pour que ce soit à ton goût. La fin de cette activité, c'est le début de la liberté. La liberté d'esprit.